Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. J'ai dernièrement présenté un support spécial smartphone et tablette ici que je vous montre en place avec l'iPhone 7 qui va nous servir de scanner. Alors je vous montre en détail comment on a placé le pied. Et cette vidéo est vraiment dédiée aux personnes mal et non-voyantes ou aux personnes ayant des difficultés de lecture. Grâce à cette technique, on a un document qui est placé dessous. Une fois que le support a été positionné, on le laissera tel quel pour pouvoir faire de la reconnaissance de caractère. Ici, on est avec le logiciel KNLB Reader. Mais dans cette vidéo, il y aura un deuxième test avec le Smart Vision, l'OCR qui est intégré à ce téléphone. Le Smart Vision de chez Capsys. On va tout de suite passer à la démo. On a mis donc un document sous le téléphone. Le téléphone est mis sur le support et on a simplement à pitcher. Explorateur de fichiers, paramètres, flash d'appareil photo allumé, régler l'inclinaison, prendre une photo, bouton. Prendre une photo, et tout de suite on va la prendre, un double tap. Prendre une photo. Pose arracé d'avoine bilan comprimé, sécable 01, voix orale et flèche bilan. Veuillez lire attentivement intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes sont sains, si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice. Grâce à cette technique, le téléphone va vous lire n'importe quel texte dactylographié. On va tout de suite passer avec le Smart Vision et je vais vous montrer donc comment numériser avec le Smart Vision. Voici donc le Smart Vision qui est positionné sur ce support, le Smart Vision de la société Capsys qui lui est équipé nativement d'un OCR. Sur l'iPhone, bien sûr, on a rajouté le KNLB Reader qui lui coûte quand même une centaine d'euros. Alors, pour lancer l'OCR avec le Smart Vision, on va voir tout de suite comment exécuter cette manipulation. Alors si la vidéo vous plaît, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me mettre des commentaires, un pouce bleu en bas de la vidéo. Et surtout pensez bien à vous abonner, cliquez sur la petite cloche pour recevoir les notifications lors des prochaines sorties vidéo. C'est super important car c'est comme cela que la chaîne va pouvoir monter dans les maillons de YouTube. Alors, on va tout de suite aller sur le Smart Vision. Une fois que l'on arrive sur l'écran d'accueil, on va descendre jusqu'à 17h58, application. Application. On valide application. Au centre du joystick sur la touche OK. Une fois sur application, comme ici, vous pouvez voir, le mode du clavier est un mode T9. Donc on va se diriger sur la touche 6 et appuyer 3 fois pour arriver jusqu'à O. Donc ici, M, O. Une fois qu'on a fait notre O, on va faire 2 fois flèche bas avec le joystick central. 1, 2. Application OCR. OCR. Aucun bord détecté, moins 8 degrés. Aucun bord détecté. L'OCR étant lancé, on va tout de suite placer notre feuille. Aucun bord détecté, moins 2 degrés. Bord inférieur vide. Avec le Smart Vision, ce qu'il faut faire, c'est que il nous indique lorsqu'il va détecter des bords. Une fois que notre Smart Vision est correctement placé sur le support, on va mettre la feuille dessous et bouger. Aucun bord détecté. Aucun bord détecté, 3 degrés. Ne bougez plus. OCR-traitement en cours.
Comme vous avez pu entendre, il a détecté les quatre bords. Il a pris la photo tout seul. Décomprimer ces câbles. INM voie orale mylangiel. Paracétamol mylan ES comprimé C. Lettre voie orale. CISAF. FFLJ mylan. Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce VF médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informatif à votre médecin ou à votre pharmacien. Gardez cette notice. Pourriez avoir besoin de la relire. Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien. Si les symptômes SARS vous persistent, consultez un médecin. Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien. Voilà, comme vous pouvez voir, la reconnaissance a été très rapide, aussi rapide qu'avec l'iPhone, on peut dire. Et le résultat est quand même très correct. Voilà donc, on va maintenant changer de document. Ici, on était sur une notice de médicaments. Et maintenant, on va passer sur un bouquin quelconque. Ok, on place notre document. Aucun bord détecté, 3 degrés. Voilà, comme on entend, il ne détecte pas de bord. Donc je vais bouger mon document jusqu'à ce qu'il détecte les bords. Aucun bord détecté, 3 degrés. Aucun bord détecté, 21 degrés. Ne bougez plus. Aucun bord détecté, OCR-traitement en cours. Regard croise. Se fait relayer pour ne pas s'épuiser. FSL. F Florida F1. Y. Virgule SKFT Issage Bou ROI accent circonflexe aurait CRT. Pour un proche aidant, s'accorder du REP ne va pas de soi, loin s'en faut. Comment vaincre difficulté et appréhension? Que faire si la personne aidée refuse de partir? Monsieur GB, plus on le âge. Quels obstacles peuvent plus on a besoin de points de repère? Si la personne n'a pas envie de bouger. Empêcher les proches aidants de s'arrêter et prendre un peu de vacances. Virgule F pour eux, le plus difficile n'est pas tant de prendre des vacances. Voilà, donc comme vous pouvez voir, la reconnaissance a été automatiquement exécutée. Et on peut entendre le texte qui est lu. Alors attention, alors pour le faire taire, on appuie par exemple sur la touche 1. Et si on veut revenir sur l'écran d'accueil OCR du Smart Vision, on va appuyer sur la touche à la droite du joystick, cette touche, et ceci va nous faire revenir instantanément sur l'écran d'accueil OCR. Bord droit, supérieur et inférieur visible. Voilà, donc je vais enlever le document pour éviter qu'il prenne une photo. Voilà donc. Comme vous avez pu voir, ça a été très rapide et le Smart Vision, comme tout OCR d'ailleurs, est capable de lire, de numériser du texte dactylographié et non pas encore du manuscrit. Donc attention, aucun OCR aujourd'hui n'est compatible avec le manuscrit. Voilà, on va passer maintenant rapidement à l'iPhone et cette vidéo sera terminée. Je vous remercie dans tous les cas de la regarder jusqu'à maintenant. J'espère qu'elle vous plaît. On est donc passé maintenant avec l'iPhone et le KNFB Reader pour faire de l'OCR par le biais de notre mobile. Alors ici, prendre une photo. Bouton. On va lui demander de prendre une photo. J'ai changé d'ailleurs le document. Prendre une photo. Précédent. KNFB Reader. Grand angle solidarité à Agnès Clave qui questionne mobile ESCO 00. Sur le site de prévention santé MIAU, Judith Nicocossian, doxeron, sur l'usager des robots sociaux auprès des personnes âgées. Ces androïdes-ci remplaceront IF un jour et FUMNF. Quelles autonomies et capacités à décisionnel leur laisser? XF, vaste mais essentielle question. Nous devons étudier les relations avec ces robots affectifs. Entretien avec Laurence de Vierceau, chercheuse. Olassi est professeur qu'à l'Université Paris. Quelles questions éthiques soulèvent l'essor des robots compagnons? En premier lieu, il y a celle du respect de la vie privée. Il serait insupportable d'imaginer un environnement où nous serions entourés de machines analysant nos émotions à des fins commerciales ou de surveillance officielle. Voilà, donc comme vous avez pu voir, le but de cette vidéo était de vous montrer aussi
les différents logiciels OCR de ces deux smartphones et le pied que je venais de vous présenter en vidéo sur ma chaîne, la dernière vidéo sur ce support de tout smartphone, tout tablette jusqu'à 10,6 pouces. Bien, moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner à ma chaîne, car beaucoup de vidéos, de tutos et de démos de déballage. Je vous dis donc à très bientôt, un grand merci à vous et pensez bien à vous abonner à la chaîne pour continuer à m'encourager. À bientôt, salut.